Bonjour la communauté, bienvenue dans cette présentation sur la création de sites internet. Aujourd'hui, nous continuons avec le formulaire de contact. Pour info, nous utilisons l'outil Sheeta de la plateforme Bidroll pour faire la création de sites internet. Nous avons fini de parler des fonctionnalités qui nous intéressaient. Bon, juste avant de continuer, on va agrandir quand même ce formulaire, c'est pas mal. Aujourd'hui, nous allons voir à quoi ça ressemble à toutes les modifications qu'on a eu à faire. Chaque fois, hein, quand vous faites des modifications, vous travaillez sur la plateforme, n'oubliez pas d'enregistrer régulièrement pour ne pas perdre votre travail. Okay. Donc là, on va aller regarder toutes les modifications qu'on a faites, à quoi ça ressemble en vrai. Donc on va aller sur la page, donc ça n'a rien à voir avec ce qu'on a fait. Donc, on va recharger cette page-là et du coup, on a notre formulaire. Donc, vous vous rappelez, on avait mis un effet sur le formulaire et c'est ça qui vient de se produire. Donc, quand je ramène ma souris sur le bouton, vous voyez l'effet que ça fait. Ça, c'est ce qu'on avait configuré ici. Donc, du coup, par exemple, si je veux mettre mon nom et prénom, je mets par exemple Lilian, c'est mon prénom. Vous voyez que c'est en rouge, ok? Parce qu'on l'avait configuré en rouge ici. Je retourne là juste pour vous rafraîchir la mémoire. Alors, on l'avait configuré en rouge ici. Donc, si je le mets par exemple en bleu, ça sera en bleu. D'accord, je vais mettre ça un petit bleu sympathique. Alors, tac, je l'enregistre. Ok, je fais OK. Vous allez remarquer que quand on modifie les deux, il y a deux couleurs quand on les modifie, ça change ici, mais alors que ça n'a rien à voir avec. Bon, ça n'a rien à voir, si ça a quelque chose à voir, mais ce n'est pas à l'état. Normalement, ça devait être comme ça. Donc, sauf qu'on le voyait tout à l'heure bleu. Mais quand je vais commencer à écrire, bon, du coup, je remets mon prénom tranquille. Vous voyez maintenant, c'est bleu, etc. Donc, allez regarder les tutos d'avant hein, pour comprendre comment on a fait tout cela. Donc là, on a bien configuré notre formulaire. Maintenant, ce qu'on va aller voir, à quoi ça ressemble sur le format mobile, à quoi ça ressemble. Okay, donc là, vous voyez, on a quelque chose de ce genre. Et je dis, non, sur mon design, c'est pas vraiment terrible. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Okay. Comment on va jouer sur ça? Donc, je peux faire clic droit hein, pour accéder à mes fonctionnalités. Et on va commencer à retravailler ce formulaire sur la version mobile pour que ça rentre bien. Donc pour faire ça, je vais dans avancer, je vais aller regarder. Tout à l'heure, quand on était sur la version PC, on n'avait pas toutes ces informations-là. Maintenant, sur la version mobile, on les a. Donc haut, je vais augmenter un peu, je descends. Okay. Le bas, bon, je peux mettre un peu de marge aussi s'il le faut. Tac. Comme ça, j'ai un peu de marge en dessous. Si je vois que voilà, ça m'embête, hein, je peux mettre une boîte transparente en haut hein, sur la version mobile de manière à décaler un peu plus mon formulaire. Okay? Ça, c'est des choses que je peux faire. Donc, en gros, en général, c'est pas mal déjà ce qu'on a ici. Okay? Pour moi, je trouve que bon, voilà, c'est pas mal. Mais si je veux plus, si je veux décaler plus, il faudra que je mette une boîte ici, comme j'ai dit, pour avoir la possibilité de jouer sur les marges. Donc, ceci dit, je vais aller regarder sur la version tablette, la version tablette, on est là. Vous rappelez quand on travaille sur la version tablette, je vous avais dit que ici là, la taille sur tablette, la largeur maximale sur tablette, il faut l'utiliser uniquement quand vous êtes sur la version tablette. Donc actuellement, c'est sur 500, c'est déjà pas mal. Si je veux l'augmenter, je peux le faire. Si je veux réduire, je peux le faire. Ok, donc voilà. Vous savez comment ça marche. Une fois que c'est fait, c'est super, vous pouvez enregistrer votre travail. Pour enregistrer, il faut retourner sur la version PC et cliquer là et l'enregistrer. Votre travail est fini par rapport au formulaire de contact. Si vous voulez créer vous-même votre site internet, sachez que nous avons mis en place hein, à l'agence web AdWDE une formation gratuite pour y accéder. Allez sur notre site advde.fr et vous scrollez jusqu'au milieu de la page. Et quelque part, vous allez voir, je commence ma formation, vous cliquez dessus et vous aurez toutes les informations pour pouvoir créer votre site vous-même en utilisant l'outil Sheeta de la plateforme Bidroll. Nous sommes une agence web, donc si vous voulez qu'on crée votre site pour vous, ce serait avec plaisir. Pour cela, envoyez-nous un message hein, via notre formulaire ou contactez-nous via mail ou en nous appelant directement à ce numéro. N'oubliez pas non plus de nous suivre sur les réseaux sociaux, hein, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, en tapant Agence Web AWDE. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.